Pour moi, tu n'as jamais été un frère. Je t'ai toujours considéré comme ma grande sœur. J'ai filmé ça, c'est... En plus, ça fait avec moi, moi je pose direct. Le pire, c'est que tu commençais à peine à comprendre qui tu étais. T'imagines même pas à quel point je suis heureuse d'avoir vu comment tu rayonnais quand tu étais toi-même. Dis-moi, quand est-ce que t'as su pour moi? Je sais pas. Et je crois que ça a jamais réellement eu d'importance. En vrai, j'avais peur à l'idée de te mettre mal à l'aise. Je vois pas pourquoi j'aurais été mal à l'aise. Enfin genre, toi ça te fout mal à l'aise? Non, enfin... Bah voilà. Ouais, mais... C'est pas pareil. Écoute... Tant que toi tu te sens bien, c'est l'essentiel. Et si tu me dis que t'es une meuf, ben ok. Je sais pas trop. Je crois que, ouais. En vrai, je me sens meuf. Tu sais, t'es pas obligé de faire un choix, genre là tout de suite. Prends ton temps. Vas-y, appelez-le, on y va. Jamais d'avis. Le pire, Tia, c'est que t'avais à peine commencé à t'aimer réellement. Tu avais à peine commencé à comprendre qui tu étais. Je sais pas quoi faire. Je m'en veux de pas savoir quoi faire. Je m'en veux que tu sois un exemple parmi tant d'autres. Tout ce chaos qui te faisait sombrer, c'était enfin transformé.
pour te faire renaître. Je suis fière d'avoir grandi aux côtés de la femme la plus forte que je connaisse. Alors? Donc moi, je suis à l'hosto parce qu'on m'a défoncé la gueule. Et toi, tu m'écris un texte d'enterrement? Mais vas-y, il est stylé le texte. Non, mais tu es malade. Peut-être. En attendant, est-ce que quelqu'un t'a déjà écrit un texte aussi beau? Non, un jour, j'en ferai un livre, je pense. Et même que tu vas me supplier d'avoir les droits. Et tu vas l'appeler comment, ton livre? Nah, fool!